الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته frères et sœurs en islam. Dans cette vidéo, inshallah ta'ala, on parle des manifestations qui se tiennent en ce moment, plus spécifiquement pour Gaza. Est-ce que c'est halal ou c'est haram de participer à de telles manifestations et est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce qu'on peut changer le monde avec cela? Est-ce que c'est des actions qui sont concrètes, qui sont positives ou bien ça ne sert à rien? On va plus se concentrer sur la deuxième question, inshallah ou ta'ala, mais je vais quand même commencer par la première question. Est-ce que c'est les manifestations, c'est halal ou c'est haram? Parce qu'on reçoit toujours des questions sur ce point ici. Alors, inshallah ou ta'ala, on aimerait faire comme ça un contenu qui serait bénéfique et qui serait utilisé à titre de référence, inshallah ou subhanahu wa ta'ala. Donc, premier point ici, c'est que à chaque fois qu'il y a des problèmes et que les gens sortent pour manifester ainsi de suite, il y a des gens qui vont être là sur Internet et certains chers, entre guillemets, ainsi de suite, qui disent que les manifestations, c'est haram, c'est interdit. Et le musulman ne doit pas participer aux manifestations. Alors, quelles sont leurs raisons? Ils ont certains pseudo-arguments, mais on va prendre les trois principaux qui se répètent toujours. On va commencer par celui qui se tient le plus sous certaines circonstances, qui est le ihtilat, la mixité. Donc, ils vont dire que dans les manifestations, les gens ne vont pas tous respecter, bien sûr, les préceptes de l'islam, le bon comportement, ne vont pas tous être bien couverts et couvrir leur aura, ainsi de suite. Il va y avoir l'ihtilat, il va y avoir des gens qui ont un mauvais comportement, qui disent des gros mots, qui disent. De ce fait, le musulman ne doit pas être là dans un tel environnement. Ça, en tant que tel, ça se tient dans plusieurs situations. Et c'est pour ça que le premier point ici à faire, la première question à se poser avant d'avancer, c'est on parle de quelle protestation, on parle de quelle manifestation exactement. Il y a manifestation et manifestation. Quelle est la cause derrière ça? Donc, si on parle d'une manifestation d'un groupe de personnes qui sont là pour protester contre une ruelle qui a été fermée par les autorités. Les autorités ont fermé une ruelle, je ne sais pas, pour faire de la construction, pour n'importe quelle autre raison. C'était bidirectionnel, c'est devenu unissance, à sens unique. Et là, les gens sortent pour faire des grosses manifestations dans la rue pour être contre ça. Okay? Si quelqu'un me dit, oh, on ne doit pas participer à ça, c'est haram, ou bien moi je ne conseille pas aux gens d'y aller parce qu'il va avoir du ihtilat et du mauvais comportement, ainsi de suite. Là, je dis, moi je dois complètement respecter une telle opinion, subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'il va avoir probablement du ihtilat et ainsi de suite. Et la cause ici qui nous amène dans la rue, c'est une cause qui est assez mineure. C'est pas la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Lorsque une ruelle soit fermée, subhanallah. Est-ce qu'on peut comparer ça à un massacre qui est en train d'arriver à nos frères et à nos sœurs ailleurs dans le monde, qui sont bombardés à chaque instant, subhanallah al-azim. L'état de la Ummah actuellement est en état de guerre. Toute la Ummah, parce que la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une seule Ummah. L'état, la Ummah, elle est en état de guerre, subhanallah. Elle est en état de crise. Il y a un grand massacre qui est en train de se tenir et qui va peut-être durer longtemps devant nous. Donc là, subhanallah, dans des situations pareilles, si les manifestations, bien sûr, s'il y a un avantage dans les manifestations, on va parler de ça tout à l'heure, inshallah, s'il y a un avantage dans les manifestations, la question ici de la mixité, du ihtilat et ainsi de suite, elle devient non pertinente. Même dans le shara d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une personne doit être pas mal ignorante de dire le contraire. Et la personne ici, si quelqu'un dit ça, ça veut dire que la personne ici ne comprend pas le concept de tahrim al-wasa'il, les choses qui sont interdites en tant qu'outil, en tant que moyen, pas en tant que fin, et que ce tahrim al-wasa'il peut devenir licite, et il devient licite dans les situations de hajj, de besoin, et pire encore dans les situations de nécessité. Donc l'exemple que je peux donner ici pour que tout le monde puisse comprendre, inshallah, c'est lorsqu'on va aller chez le médecin, on va aller à l'hôpital. Eh bien, l'hôpital, pour être soigné, surtout aux urgences et ainsi de suite, il va avoir de l'ihtilat, il va avoir un environnement qui n'est pas selon les préceptes normaux de l'islam et ainsi de suite. C'est juste parce que c'est comme ça que c'est fait, la question de l'urgence. Donc, un malade, encore une fois, surtout dans les situations
plus sérieuses ou des situations d'urgence ou autre chose, un malade, eh bien, on va devoir lui découvrir très souvent une partie de sa aura. Peut-être que ce malade-là sera traité par une personne, par une femme qui n'est pas mahram, ou bien une femme traitée par un homme, par exemple, et ainsi de suite. Donc là, ça devient licite dans l'islam. Les savants sont pas mal d'accord sur ça. Il n'y a pas vraiment de discussion là-dessus. Pourquoi? Parce que ça, c'est des situations de besoin. C'est pas un irtilat qui... On n'est pas en train de faire irtilat ici pour faire la fête. On s'entend? Donc, les gens qui disent que ça c'est irtilat et ainsi de suite, mais là mon ami, si c'était tes propres enfants qui ont été bombardés, ça fait 5 heures, et qu'il reste ton père et ta mère et peut-être ton frère, ta soeur, ton épouse qui sont en vie et qui pourraient être eux aussi bombardés dans 5 heures, les 5 prochaines heures, c'est certain que tu vas sortir dans la rue en crise, ok? Tu vas perdre ta tête et si quelqu'un va te parler de irtilat et ainsi de suite, tu vas le regarder et tu vas le traiter de traître. De quelqu'un qui n'est pas peut-être ton frère en islam, que c'est ton traître, ok? Donc, irtilat, oui, le irtilat, oui, c'est quelque chose qui doit être pris au sérieux dans l'islam, mais encore une fois, on doit comprendre, on parle de quel contexte ici exactement? On parle pas de sortir dans la rue pour faire la fête, mes amis. On parle de sortir dans la rue pour, encore une fois, faire ce qu'on perçoit. On va parler de ça tout à l'heure, inshallah, mais les gens, quand ils sortent pour faire ce qu'ils perçoivent être la solution possible, ce qui est accessible. Les gens se disent, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je ne peux pas sortir dans la rue pour crier et pour exprimer mon support à mes frères et à mes sœurs et mon opposition à cette injustice. Deuxième point ici. Là, ça commence à devenir plus ridicule. On a dit le ertilat, parfois ça peut faire un peu de sens. Là où ça commence à devenir ridicule, c'est lorsqu'ils vont te dire que les manifestations, ça c'est une bid'a, c'est une innovation, c'est tashabbuh bil kuffar, c'est imiter les kuffars, et de ce fait, c'est interdit dans l'islam. Donc là, ça commence à devenir vraiment ridicule, parce que cette personne de 1 ne comprend pas vraiment c'est quoi le concept de la bid'a dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, sujet pour d'autres cours, pour d'autres vidéos, c'est pas le temps de parler de la bid'a, mais aussi parce que ce n'est pas du tout vrai que les manifestations sont une invention des démocraties occidentales. Si on parle des manifestations exactement avec les techniques qui sont utilisées aujourd'hui, ainsi de suite, ok, on peut assumer, on peut accepter le fait que ça, c'est des choses qui viennent de l'Occident et tout, mais l'idée de protester publiquement dans la rue, l'idée de se rassembler dans la rue pour exprimer notre opposition à quelque chose. Ça, c'est une pratique qui existe depuis des siècles. Allahu ta'ala a'lam sait depuis quand que ça existe, de un. Et dedans, on le trouve ça même dans les livres de l'histoire de l'islam. C'est arrivé plusieurs fois. On trouve ça qu'il y a eu des gens qui se sont rassemblés parce que quelqu'un a été emprisonné ou maltraité ou autre chose. Il y a des gens qui se sont rassemblés devant la cour du qadi ou devant le palace, par exemple, du roi ou du dirigeant ou autre chose, on trouve ça même dans les livres d'histoire de l'islam. Okay? Et même, il y a un hadith du prophète, alayhi salam, qui dans lequel il y a comme une indication dans ça. Mais le hadith, je ne vais pas en parler maintenant, parce que si on parle si on ouvre les hadiths, là, il faut aller dans les détails et tout. Et les gens aiment bien sûr des vidéos qui sont plus courtes. Donc, inshallah ta'ala, une autre fois. Donc, l'idée de protester dans la rue, de protester en public, pour exprimer, encore une fois, notre frustration, notre colère envers une injustice perçue, ce n'est pas une invention de l'Occident. Ça, c'est complètement faux. Troisième point ici. Là, ça devient grossement ridicule. C'est les gens qui disent que faire participer aux manifestations, que c'est haram, c'est interdit, parce que ça, c'est khuruj de la rébellion contre Wali ul-Amr, contre le dirigeant légitime de l'islam. Et de ce fait, ceux qui le font doivent être étiquetés de al-khawarij, c'est des kharidis. Okay? Là, c'est grave comme ignorance. Wallahi, c'est très grave, subhanallah, comme ignorance. De un, si on parle de l'Occident, par exemple, si quelqu'un il dit qu'en Occident, celui qui participe aux manifestations, c'est les Khawarij, fait partie des Khawarij, de rébellion contre Wali al-Amr, ça, c'est quelqu'un qui est limite, limite, zindiq, subhanallah, zindiq. C'est quelqu'un qui veut changer les ahkams d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la religion d'Allah, azza wa jal. Okay? D'où est-ce que tu as fait sortir ça, que les dirigeants en Occident, qui ne se sont jamais prétendus musulmans, qui n'ont jamais dit la ilaha illallah,
qui sont soit des gens qui sont laïcs ou des gens qui sont athées ou chrétiens ou autre chose. Toi, tu me dis maintenant que c'est des wali amr. Tu es fou, tu es malade, tu as perdu la raison. Subhanallah, est-ce que tu as lu déjà une page sur l'aqida dans ta vie? Est-ce que tu connais même c'est quoi le sens de la ilaha illallah? Subhanallah, c'est incroyable le niveau d'ignorance de certaines personnes. Là, si on parle des dirigeants, par exemple, dans les pays arabes, je comprends peut-être qu'il y a un peu de confusion dans la tête de certaines personnes. C'est moins grave que de dire ça pour, par exemple, la situation en Occident. Mais même avec ça c'est encore une fois un cas d'ignorance qui est assez grave, subhanallah, pour ne pas encore comprendre que les dirigeants dans le monde arabe ne sont pas des wali amr, ne sont pas des dirigeants qui sont islamiquement appelés wali amr. Ça veut dire on doit leur donner les ahkam de wali amr. Ça, c'est des régimes qui sont laïcs, qui n'ont rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans parler du fait, bien sûr, que on questionne toute l'idée ici de faire des protestations, des manifestations. Ça veut dire que ça, c'est une rébellion. Ça veut dire que tu es khawarij. Même ça. Ça doit être grandement questionné. Mais encore une fois, on ne peut pas ici faire des vidéos de 3 heures, 4 heures sur ce genre de choses, parce que les gens ne sont pas intéressés à aller dans les détails, peut-être une autre fois, Inch'Allah. Et aussi parce que l'idée de cette vidéo, ce n'est pas de faire de l'académique. Non, non, l'idée de cette vidéo, vraiment, c'est qu'on est en train de parler de quelque chose d'urgent, d'important, qui se passe devant nous, qui est présente là à chaque jour, et les gens ont besoin de réponses ou un peu d'éclaircissement, Inch'Allah. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de toucher à certains points et de se concentrer sur les points les plus obvious, les plus clairs, ok? Donc, si quelqu'un dit des dirigeants en Occident que ça, c'est Wali Amr et que ça, c'est la rébellion contre Wali Amr, encore une fois, si quelqu'un, subhanallah, ne voit pas l'ignorance, le niveau d'ignorance et de batil dans ça, je ne sais pas qu'est-ce que cette personne-là, elle connaît de l'islam. Maintenant, on va passer, inshallah ta'ala, à la deuxième question, qui est plus importante, à mon avis, qui est-ce que ces manifestations-là sont bénéfiques? Est-ce qu'il y a un avantage? Est-ce que ça sert à quelque chose? Il est certain qu'il y a des avantages à participer ou bien à tenir en général des manifestations pareilles. Par exemple, c'est de toujours s'assurer que l'autre voix, la voix de l'haq, la voix de la vérité, qu'elle soit toujours présente. On le sait très bien, Ikhwani fillah ta'ala, que les médias de nos jours font tout ce qu'ils peuvent pour éteindre la vérité, pour changer même la vérité, pour tordre la perception, la description de qu'est-ce qui est en train de se passer, pour faire passer les victimes, les miskines, pour pire que des animaux, subhanallah. Ce ne sont que des chiffres, ils ne sont pas importants et c'est des dommages collatéraux. Et ce n'est pas un massacre, ce n'est pas un carnage, c'est juste normal, c'est une guerre qui est complètement valide, légitime, défense, ainsi de suite. Vous le savez très bien, je vais pas vous donner plus de détails là-dessus. Donc, le fait qu'il y ait des manifestations comme ça, bien sûr, l'avantage de ça, c'est au moins de s'assurer qu'il y ait une certaine présentation un peu proportionnelle. Même si, encore une fois, les médias font de leur mieux, subhanallah, c'est grave. Et même ça, en tant que tel, en passant, c'est un avantage. Le fait d'exposer les médias, que les gens comprennent que ces médias-là, qu'on vit dans un monde qui est plein de mensonges, qui est plein de fakes, qui est plein de, subhanallah, de réalités qui sont twistées. Et que ça, c'est un gros mensonge ici, de penser que les médias, que ça, c'est des gens qui sont là pour vous dire la vérité, ainsi de suite, et qu'ils suivent seulement les faits, ils vous présentent les faits. Subhanallah, ça n'a rien d'objectif. Et les gens, ceux qui avaient peut-être des doutes avant, sont en train de voir maintenant ça clairement. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance à ces médias-là. Donc, ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, les médias sont en train de, subhanallah, on voit des grosses manifestations à travers le monde, ils font de leur mieux pour les ignorer. Parfois, ils vont les présenter juste parce que c'est trop shame, c'est trop honteux d'ignorer ça. Donc, ils vont présenter ça, mais de façon très très légère. Ils vont réduire peut-être le nombre de personnes qui étaient présentes et ainsi de suite. Ils vont faire une couverture assez légère, faits divers. Mais quand même, la présence de l'autre voix, elle est importante. Aussi, ce genre de manifestation, eh bien, représente un certain fardeau pour nos ennemis, pour les ennemis de nos frères et de nos sœurs, pour ces génocidaires. Ça, c'est un fardeau pour eux. Et de ce fait,
assigner et donner quelques ressources pour faire face à ça. Okay, on appelle ça teshtit. Ça les fait éparpiller en quelque sorte. Le plus qu'on peut les éparpiller par ce genre de choses, le plus, inshallah ta'ala, que ça va réduire le mal qui tombe sur nos frères et sur nos sœurs. Imaginez, c'est très malheureux, mais on est dans une situation où on ne parle que de réduire le mal. Ça veut dire, si on peut avoir, je sais pas moi, si on peut avoir 10% de moins de personnes qui vont mourir, déjà là, c'est mieux que d'avoir, subhanallah, le 100% qu'on voit actuellement. Subhanallah, c'est très triste, c'est très honteux, mais ça, c'est l'état lamentable de notre Ummah. Encore une fois, ça mérite, inshallah ou ta'ala, un contenu complètement dédié à cela. Encore une fois, il y a certains avantages, on ne peut pas les renier, ces avantages-là, surtout lorsqu'on parle de la présence de plusieurs gens, de plusieurs personnes en Occident qui ne sont pas musulmanes, des gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des athées, des chrétiens, des juifs qui sont là contre la guerre, contre cette guerre, fi Gaza, contre ce massacre, fi Gaza. Vu qu'eux ne sont pas des musulmans, okay, donc ils n'ont pas ce rôle-là de fraternité, de l'ouala envers ces musulmans, alors leur présence est bien, est très apprécié, alhamdoulilah, ça c'est quelque chose de plus. Mais ça reste que pour nous, en tant que musulmans, on a une responsabilité beaucoup plus grande. Okay? La responsabilité beaucoup plus grande, c'est quoi? C'est qu'on a ce lien-là de al-wala, innamal mu'minuna ikhwa. Je n'ai pas le temps ici de vous rappeler, je n'ai pas besoin de vous rappeler aussi toutes les ayats et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le lien de fraternité obligatoire entre les musulmans et entre les mu'minines et les mu'minettes, ce qui fait en sorte que si mes frères et mes sœurs sont attaqués, sont maltraités, j'ai la pleine responsabilité de faire tout ce qui est dans mon possible. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ça dépend du possible, bien sûr, mais ça reste que c'est une obligation, c'est une pleine responsabilité, parce que on est une seule umma. Et de ce fait, la question maintenant qu'on se pose, c'est: est-ce qu'il y a d'autres avantages plus importants à ces manifestations? Moi, personnellement, je n'en vois aucun. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, et si vous avez des preuves à nous présenter, quelque chose de... Je serais très très intéressé, inshallah ta'ala, si quelqu'un peut nous présenter ça. Mais moi, personnellement, je ne vois aucun bénéfice majeur, un avantage majeur à ces manifestations-là. Dans le sens où, si on pose une autre question, est-ce qu'on peut changer le monde? Est-ce qu'on peut changer la situation de nos frères et de nos sœurs avec ces manifestations? La réponse est que non. C'est pas avec des manifestations qu'on va changer le monde sur de tels enjeux très très graves et très très importants. En Occident, si on parle spécifiquement de l'Occident, oui, les manifestations peuvent changer le monde, entre guillemets, sur certains enjeux plus mineurs, plus locaux. Le gouvernement a imposé une nouvelle taxe sur tel produit, sur le pain, sur le lait, sur les viandes. Et là, les gens ne sont pas contents. Et il y a des milliers de personnes qui sortent dans les rues à chaque fin de semaine pendant 2-3 mois. Oui, ça peut arriver. Ça arrive souvent que ça va pousser le gouvernement à faire un pas vers l'arrière. Pourquoi? Parce que ça, c'est un problème mineur. Okay? Ça, c'est un problème. Le cercle de décision ici, les personnes qui peuvent changer la donne ici, c'est un groupe assez limité. C'est quelques conseillers, quelques ministres et peut-être une dizaine, quinzaine de personnes. Si la majorité de ces personnes-là sont convaincues que ah, on a fait le mauvais pas et on a trop de pression, eh bien, ils peuvent changer, faire pas en arrière. Là, on est en train de parler de quelque chose de très grand. On est en train de parler de l'un des points des plus critiques dans le comment on appelle ça, le Global World Order, the New World Order. Ça veut dire l'ordre mondial, de la politique mondiale, tout le lien qui relie les grandes puissances et ainsi de suite. Eh bien, ton président local ou ton premier ministre ou autre chose, croyez-le ou non, il ne représente qu'un très petit acteur dans le grand échiquier. Et même sa capacité de changer les choses est très très minime, très négligeable.
Il a beau dire le contraire, mais même si il va tenter, essayer, ce n'est pas pour trouver des excuses pour ses dirigeants. Non, 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 aucunement. Ils sont pleinement responsables auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que celui qui ne peut pas agir, eh bien, il n'a qu'à dire la vérité et à dire que moi je suis faible, je m'excuse, j'aimerais bien changer, mais je ne peux pas. Ce n'est pas dans mes habiletés. Là, on appelle ça ici l'inkar bil-lisan. Lui, il s'est dissocié. Man Ankara wa Bari, on appelle ça se dissocier. Ça arrive dans la vie où on est dans une position de responsabilité, mais on voit quelque chose de mal, mais on ne peut pas la changer dans ce genre de situation-là. Eh bien, surtout si c'est quelque chose de grave, on doit le dire ouvertement. Que moi, je ne suis pas d'accord et j'aimerais bien changer, mais je ne peux pas. Là, les gens vont comprendre qu'ils ne doivent pas m'attendre moi. S'ils doivent chercher d'autres façons de changer, que moi, je ne suis pas d'accord. Okay? Donc, mais là, encore une fois, c'est pour vous dire que ce n'est pas à travers des manifestations que vous allez changer l'état de nos frères et de nos sœurs à travers le monde. Et pire encore, il y a maintenant l'inconvénient de participer dans ce genre de manifestation. Vous savez, c'est quoi l'inconvénient? Je ne dis pas ici que l'inconvénient doit vous empêcher de participer. Ce n'est pas ce que je dis. Moi, je ne dis pas participer ou ne participez pas. Je vous laisse prendre votre propre décision. Mais je dis, moi, que si vous participez, il y a certains points à prendre en considération. Le premier point ici, c'est d'être conscient de ce danger psychologique, de cet effet psychologique des manifestations, qui est le fait que si tu vas, toi, participer aux manifestations, les manifestations donnent cette mauvaise croyance, cette fausse croyance plutôt, ce mensonge que moi j'ai fait ma part. Ok? Remarquez. Les gens chez eux, à la maison, sont en train de regarder les nouvelles, regardent les images, lisent, et ils sont pleins de colère dans leur cœur. Ok? Ils sont pleins de tristesse, pleins de colère. Alors, ils vont sortir dans la rue, ils vont crier, crier, crier pendant 3 heures. Peut-être revenir la semaine prochaine et la semaine d'après. Faire ça 2, 3 fois, 5 fois, 10 fois. Après ça, cette colère, cette tristesse, eh bien, elle s'est dissipée. Cette énergie, eh bien, elle s'est dissipée dans l'air. C'est parti. Dans les cris, dans les slogans, ainsi de suite. Maintenant, je n'ai plus la même énergie que j'avais avant. Ça, c'est de 1. De 2 aussi, j'ai cette fausse croyance que j'ai fait mon devoir. Et c'est pour cela que lorsque je vais me sentir un peu impuissant, je n'ai pas d'autres idées. La prochaine fois qu'on va me parler de Gaza et de telle place, telle autre place, je vais dire, mais moi j'ai fait mon devoir. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Eh bien, je reviens au rire et au sourire et au plaisir. C'est la vie comme avant. On revient à la norme. Moi j'ai fait mon devoir, ok? Et la vie va continuer et les massacres vont continuer. Et c'est comme ça, subhanallah, que ces gens-là aiment, sous un certain angle, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala aiment lorsqu'il y a de telles manifestations, parce que pour la majorité des personnes, ça va servir encore une fois à juste faire sortir leur colère. Khalas. Tu vas et tu vas crier dans les airs, tu vas crier dans l'espace, et c'est fini. À la place de venir me crier, par exemple, si moi j'étais un criminel, astaghfirullah, mais imaginez, si j'ai fait quelque chose de mal à quelqu'un, à la place qu'il vienne moi me crier dans la face, dans le visage, et être toujours derrière moi et m'embêter, si je peux le convaincre d'aller quelque part, devant la plage, devant l'océan, dans une grotte, dans la montagne, et crier, insulter, m'insulter moi, ok, exprimer sa colère, s'il peut faire ça chaque jour, pendant une semaine, 2 semaines, ah, après ça, moi, je vais être tranquille. Il va me laisser tranquille. Vous comprenez ici, c'est quoi le point? Et là, je vais vous donner un exemple. Un exemple très, très concret. Très, 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 très concret. Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, donc, on ne se fait pas avoir de la même façon 2 fois. Il faut être plus intelligent que ça. Ok? Regardez. En 2003, en 2003, le gouvernement américain voulait commencer la guerre en Irak. Et c'est arrivé seulement 2 années après le début de la guerre en Afghanistan. Bien sûr, la guerre en Afghanistan, tout l'OTAN était impliqué dans ça, des puissances occidentales. Les gens au début pensaient que ça allait durer quelques semaines à peine, mais là, ils ont vu que c'était déjà 2 ans et la guerre était encore là.
Donc les gens commençaient un peu à se douter de la... Est-ce que ça c'est une bonne idée de faire des guerres pour résoudre des problèmes comme ça, d'aller ailleurs dans le monde? Les gens pensaient que les grands conflits, les longues guerres étaient terminées avec la Deuxième Guerre mondiale, surtout en Occident. Ce cauchemar est resté marqué dans les esprits des gens. Et les gens, ils ont dit que on est passé maintenant à un autre monde dans lequel il va y avoir des conflits ailleurs, si on peut aider comme ça de façon légère ou brève, mais on va pas faire de grands conflits, c'est fini. Mais là, subhanallah, ils ont vu la guerre en Afghanistan, et juste 2 ans après, George Bush qui vient et qui décide de faire la guerre en Irak. Il n'a aucune raison valide et claire pour le faire. Il est en train d'inventer des mensonges pour essayer de convaincre les gens. Et là, il commence une deuxième guerre ailleurs dans le monde. Là, une grande partie, si ce n'est pas probablement la majorité de la population en Occident, s'est opposée fermement à cette idée. Pourquoi? Encore une fois, parce que les gens pensaient que la guerre, c'est terminé, c'est fini. Les gens commençaient à s'inquiéter pour l'avenir de leurs enfants. Les gens ne voulaient pas que leurs enfants grandissent dans un monde qui est plein de guerres et de conflits majeurs, de un. De deux aussi, les gens se posaient comme question quel va être le coût de ces guerres-là sur l'Occident, que ce soit en termes de vie humaine, mais aussi en termes d'argent, l'impact sur l'économie. Et de ce fait, subhanallah, il y a eu un grand mouvement, de grandes manifestations à travers le monde occidental, dans toutes les grandes villes. Et le 15 mars, ici, je vous parle de quelque chose de bien particulier que j'ai vécu personnellement. Le 15 mars 2003, au Canada, entre autres à Montréal, il y avait une très grande manifestation, probablement l'une des plus grandes manifestations de l'histoire de ce pays. Plus de 200 000 personnes dans la rue, ok? Là, je vous montre cet article juste à titre de référence pour que vous ne pensiez pas que j'exagère. J'étais personnellement dans la rue ce jour-là. C'était une journée extrêmement froide. Quand je dis extrêmement froide, ça c'était par les standards du froid canadien. C'est pas juste le froid. Quand je dis extrêmement froid, ça veut dire vraiment, vraiment froid. Et malgré ça, ces 200 000 personnes sont sorties dans la rue. Donc pour eux, c'était big deal. C'était une grosse question. Subhanallah. Je me rappelle très bien, il y avait des familles, il y avait des gens de toutes les couches de la société. Ce n'était pas seulement des Arabes ou des immigrants ou autre chose. Encore une fois, ce n'était pas cette fois-ci une opposition reliée à l'idéologie, parce que on n'est pas d'accord avec cette idéologie, okay? Ou avec ce courant politique. Ou ce n'était pas parce que les gens nécessairement étaient là pour exprimer leur inquiétude pour les victimes et pour les musulmans, fait l'Irak et autre chose. Non, non, non. C'était pour plusieurs personnes assez égoïste. C'est pour moi. Je ne veux pas que je ne veux plus de guerre dans mon monde à moi et pour mes enfants à moi. Ce qui est complètement acceptable en passant. C'est pas toujours mauvais d'être égoïste. Être égoïste dans le vrai, dans la vérité, c'est quelque chose de bien. Alhamdoulillah. Et encore une fois, je la connais très bien cette manifestation. Parce que j'étais l'un des organisateurs de cette manifestation, l'un de plusieurs organisateurs. C'était un collectif qui s'appelait Collectif Échec à la guerre, qui a regroupé plusieurs organisations de toutes les religions, de toutes les, encore une fois, politiques, sociales, de tout. Il y avait de tout, subhanallah, des syndicats, de travailleurs, de tout. Et j'ai participé à l'organisation de cette manifestation. J'ai pris part à plusieurs réunions, ainsi de suite. Le collectif, encore une fois, son nom, c'était Échec à la guerre. Et moi, dans le temps, alhamdoulilah, j'étais très actif dans les MSAs, Muslim Student Association. Je dis ça surtout pour les jeunes. Encore une fois, il y a des jeunes qui pensent que nous, on connaît juste. Tout ce qu'on connaît de la vie, c'est vous donner des cours et des khutbas et lire des livres. Okay? Ils pensent qu'on ne connaît pas la vie parce qu'il y a parfois comme ça des jeunes. Ils vont prendre un cours en politique, en sciences politiques ou participer à une manifestation et ils pensent après ça que nous, on ne comprend pas la vie. Okay? Ça c'est un problème avec certains jeunes, subhanallah. Pourquoi je parle de ça? Parce que certains de ces jeunes-là, bien sûr, arrivent de nos jours à nous défier sur des choses qui sont claires dans le Coran et à Sunna, Sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des choses bien établies dans les quatre madhahib chez les grands fuqaha de l'islam. Lorsqu'on explique que ça, c'est l'islam, ça, on peut pas faire ça ou on doit faire ça comme ça en islam. Ah, ils pensent que nous, on est juste des gens arriérés qui comprennent rien dans la vie. C'est juste eux qui comprennent la politique parce que le jeune gars, c'est un activiste. Okay? Il a à peine 20 ans.
Il a fait un peu d'activité ici et là. Il se considère comme un activiste. Il sait c'est quoi la maslaha, comment amener les bienfaits pour les musulmans. Donc ça, c'était une parenthèse assez importante. Okay? Que, alhamdoulilah, moi, j'étais très impliqué dans plusieurs activités comme ça. Pas juste des manifestations politiques ou autre chose, mais je ne suis pas ignorant. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, allamana min fadlihi subhanahu wa ta'ala. Bref. Donc là, si... Ah, désolé, je ne vous avais pas fait le partage de l'article pour que vous puissiez voir ici. Donc, ça c'est l'article ici, ça vous parle le 15 mars 2003. Encore une fois, plus de 200 000 personnes, vous pouvez voir ici, ont envahi les rues de Montréal et ailleurs dans le monde. Imaginez qui était dans cette manifestation, le jeune Justin Trudeau. Okay, avec son frère aussi. Voilà, Justin et Alexandre étaient dans les rues. Bien sûr, dans ce temps-là, Justin Trudeau n'était pas très connu. À part qu'il était le fils de son père qui était premier ministre avant cela, mais c'était juste un jeune étudiant, comme ça, un jeune activiste. Est-ce que Justin Trudeau va participer aux manifestations contre la guerre Firaza de nos jours? Bien sûr que non, je ne le pense pas. Pourquoi? Eh bien, comprenez-le, la politique, le pouvoir, ça cause la corruption des valeurs des gens. Qui rappelez-vous toujours de ça. Pour les gens qui disent que ah, la solution pour une musulmine, c'est d'élire tel et tel politicien. Ils sont avec nous, ils vont nous défendre. Eh bien, le jour où il va être éprouvé par le pouvoir et par la politique, il va t'oublier, il va oublier ses valeurs et il va aller avec là où se trouvent ses avantages et ses masalih personnels. Bref, l'idée, pourquoi je vous parle de ça ici, c'est que les gens ont fait des manifestations à travers le monde. Ça, c'était la plus grande manifestation cette journée-là, par exemple à Montréal. Après ça, les manifestations ont continué pendant des semaines, peut-être voire des mois. Mais comme on peut le comprendre, ça se dissipe avec le temps. Le nombre de personnes intéressées commence à diminuer. La patience des gens va diminuer. C'est toujours comme ça. Ça, c'est toujours comme ça que ça arrive. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin? George Bush a fait sa guerre en Irak. Il a détruit l'Irak, il a fait des gros gros massacres atroces fil Irak. Il a complètement détruit le pays là-bas, comme nous le dit l'histoire de nos jours, ok? A détruit l'économie de son propre pays même, des pays occidentaux, en passant par ça, a créé plusieurs problèmes qui durent jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a plus personne qui ne le blâme aujourd'hui. Il vit sa vie normalement, okay? Comme si de rien n'était. Bien sûr, il y a l'Akhira, c'est là le jour de la grande justice. Mais ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que les gens étaient contre, mais rapidement après, les gens ont oublié. Avec le temps, ça s'est normalisé, c'est devenu normal cette guerre en Irak. Ça faisait juste partie des nouvelles. Et même les médias ont rapidement, à travers la propagande, twisté, inversé les réalités. Et la victime est rapidement devenue le criminel. Subhanallah, ils ont diabolisé la victime maintenant. Ok, Subhanallah. Et quelques temps après, pas trop longtemps après, exprimer son opposition à la guerre contre l'Irak, eh bien, ça pouvait mettre des doigts sur toi, ça pouvait t'amener des problèmes et ainsi de suite, et tu deviens la minorité de la société qui exprime son opposition. Donc là, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ne soyez pas leurrés par ces grandes manifestations, par ces grands mouvements, ainsi de suite. Ne soyez pas leurrés par votre participation si vous participez. Et deux derniers points, Inch'Allah, à la pratique, très très brièvement, Inch'Allah. Pour les personnes qui décident de participer aux manifestations. Le premier point, c'est que sachez qu'il va toujours y avoir des provocateurs de nos ennemis qui vont être présents. Et ils vont être présents parce qu'ils connaissent très bien les techniques de provocation, ils savent comment jouer avec vos émotions et ainsi de suite. Ce qu'ils veulent, c'est de vous provoquer pour vous pousser à certaines actions, à certaines réactions excessives ou exagérées. Ils vont vous filmer et ils vont utiliser ça, encore une fois, à travers les médias. Les médias ont juste besoin de ce genre de footage, comme ça, de contenu, pour prouver au fait, pour que tout ce leverage, cet effort qui a été fait dans la manifestation, eh bien, qu'il va tourner en leur faveur. Okay? Donc, je ne dis pas que vous ne devez pas réagir ou comment on dit, défendre vos valeurs et ainsi de suite. Non, non. Mais il faut le faire de façon intelligente, de façon stratégique. Faut pas être réactif. Okay? Il faut être intelligent. Faut pas réagir par les émotions. Il faut réagir par la raison et par le calcul.
Ça, c'est un premier point. Le deuxième point ici, surtout pour nos sœurs, pour nos akhawat, très important, très très important. On a vu malheureusement des vidéos sur Internet en Europe, dans certains pays où la réaction de la police, des autorités a été assez agressive envers ces manifestations-là pour Gaza. Et on a vu des vidéos très malheureuses, subhanallah, de certains de nos akhawat, bil-hijab, qui se sont fait humilier, violenter par des policiers, ainsi de suite. Billahi alaykoum, par Allah, on a assez de problèmes, on est assez attristé, on a assez d'humiliation et de mazalla par ce qu'on est en train de voir qui arrive à nos enfants et à nos femmes, fi Gaza. On veut pas voir plus. On ne veut pas voir plus. De ce fait, pour les akhawat, si vous pensez que ce n'est pas ce sera une manifestation risquée ou autre chose, les femmes et les enfants ne doivent pas prendre part à ces manifestations. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.